Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le sixième épisode de mon Let's Play sur le jeu The Legend of Zelda Link's Awakening. Et donc je vous avais laissé la dernière fois, on allait commencer le niveau 5, donc le donjon numéro 5. Et ben, ce que je vous propose, on n'attend pas plus, on est parti. Alors, niveau 5 c'est Poisson-Chat. C'est Poisson-Chat, on se souvient que comme il n'y avait pas de... En fait, il n'y a pas de pré-donjon, on va dire, pour accéder à ce niveau-là. Je suis directement allé dans l'épisode précédent, qui était du coup un poil long, j'en suis désolé. J'essaie de faire des épisodes d'au maximum 40 minutes, j'essaye de faire plutôt entre 20 et 30, mais là, pour le coup, j'ai fait un peu plus que d'habitude. Donc, ici, je peux pas aller chercher le coffre encore, parce que je n'ai pas encore le grappin qu'on va récupérer dans cet épisode. Alors, Poisson-Chat, c'est... pas un donjon particulièrement compliqué, en tout cas c'est pas ce que j'ai trouvé le plus compliqué. Alors la boussole, ouais d'accord, on connaît. Oui, tais-toi. Alors oh, j'ai fait un truc easy. Alors là, il y a une petite énigme. Bon, c'est pas très difficile de la voir. Vu que les blocs ils sont quand même placés de manière assez obvious. Ok, une petite clé, on sait qu'il y en a. Ah oui, ok. Ok, donc là, il faut que je note. Je suis où? Non, c'est vrai que c'est start pour la carte. Ok, je suis ici. Il faut que je note, parce qu'en fait, ce que vous avez vu, la salle vide, c'est une salle qui est importante, c'est parce que c'est le mid-boss, il a plein d'endroits différents. Et, enfin, il en a plein. Il en a 4, en tout cas. Et il faudra le battre 4 fois, du coup. Aïe. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Je me souviens plus. Bon, ça allait vite. Il se suicide sur moi. Ah! Il me reste des bombes? Ouais. Ouais, c'est ça. Là, il faut que je lui balance des bombes à la figure. Aïe! Il va me falloir un paquet de bombes si je me souviens bien. Ou le grappin. Ah, je ne peux pas te battre, j'abandonne. Donc voilà, dans cette salle il y a un bloc. Et donc du coup il faudra aller chercher les salles qui vont jusqu'à 4 blocs. Sachant qu'on a trouvé celle où il y en avait 4 déjà. J'ai ce qu'il y avait dans ce coffre, viens le chercher si tu oses. Signé, crâne. Bon, j'ai envie de dire on sait... qui c'est crâne. J'aimerais aussi des bombes. Nice, des bombes. Je crois qu'on va rapidement farmer les bombes. Je vais farmer un petit peu les bombes de seconde. C'est pas mal comme exploit. Parce que je veux vraiment en avoir besoin d'un petit paquet. 11. Sachant qu'il m'en faut 3 à chaque fois. Bon, il m'en faudra au moins 12. Et encore, si je le rate pas. Donc je vais en choper 20. Comme ça au moins je serai tranquille. Ça va vite. Ça va plutôt vite. Hop. Ah, cassez-vous. Désolé, c'est pas hyper agréable comme gameplay, c'est sûr. Mais c'est important de passer par là. Ouais, une dernière et puis c'est bon. Ensuite on va enfin voir ce qu'il y a dans ces escaliers. Parce que là ça fait 30 ans que je me trimballe
entre les escaliers ici. Alors, les poissons, sachant que les poissons ils peuvent sauter. Oui, j'ai esquivé. Ok. Voilà. Oh putain. J'ai sauté dedans quoi. Alors. C'est l'entre des boss déjà? Ok. Où est-ce qu'il m'amène ici? Ah, là il va me falloir un grappin si je veux remonter. Ok, je suis ici. J'aurai besoin de soulever ça pour pouvoir passer, je pense. C'est pas ça? Ok. Il y a des flèches, on va en profiter. Ok. Froid. J'ai esquivé les premiers. Par contre, je redémarre au début de la salle. Alors normalement, je suis pas censé pouvoir passer. Bah, faut croire que si, en fait. Ah mais là, je peux passer que avec le grappin, en fait. Oh, je suis retard parce que là, du coup, je vais galérer. Oh là là. J'ai fait de la grosse merde. Je me suis mis en danger pour rien. À essayer de passer à un endroit où je suis pas censé passer de base. Putain. Ah la vache. Là pour le coup, vous m'avez vu faire de la sainte merde. Tout qu'on recommence. Enfin, faut tout qu'on commence. Pas tout, bien sûr, mais en tout cas, faut qu'on se retape le chemin. Bah, du coup, je vais prendre un chemin différent. Au lieu d'aller vers le nord. Ah bah voilà. Je reviens ici. Donc là, il suffit de tuer ces bidules. S'il me laisse passer. Allez! Qu'est chiant! Alors là, je me souviens plus du tout. Il y a quoi dans ce salle? Ah, ok, d'accord. Dis-moi qu'il y a quelque chose d'intéressant. Aïe. Le bec de pierre. C'est pas exactement ce que je souhaitais. On va repasser par là. On va voir un peu ce que donne, ce que dit la chouette. Si ton EP ne peut avec un squelette, et c'est une bombe. Ok, d'accord. Merci. Les indices hyper utiles. Ah oui, avec cette partie là. Aïe. Il n'y a pas de coffre dans cette salle. Non, il n'y a pas de coffre. Voilà, oh, ça sent quelque chose là-dedans. Oui. Hop. Ah oh putain, il faut le grappin. Il faut le grappin partout. Dès que j'arrive à le choper, ce satané grappin. Donc c'est pas par là que je veux. Je sais ce qu'il me faut. Ouh, l'émulation qui prend un petit coup là. J'ai volontairement sauté dedans, j'avais un peu la flemme de changer l'équipement. Ok, donc je vais être obligé de repasser par là s'il faut. Donc un coffre ici, mais celui-là je crois que je peux le choper que un coup de grappin. Alors. Ok. Ok, zone numéro 3, il faut que je trouve la 2 d'abord.
La carte. Hop. Alors, on va essayer de passer par là. Il y a un autre passage où on peut sauter. Alors, un fragment de puissance. Je vais passer par là du coup parce que j'ai... Je peux enfin accéder à cette porte. Ok, c'est le 2. J'ai 30 grenades, enfin j'ai 30 bombes, ça devrait aller. Quoi, tu m'as trouvé? Tu es pire qu'un pot de colle. Faut vraiment que j'arrête de m'approcher quand il attaque. Voilà. Ah, je ne peux pas te battre. Ok, il se barre. Et nous aussi, on va aller le chercher vu qu'on sait que le 3, il est pas loin. Aïe. Lâche-moi! Hop! Quoi? Tu m'as trouvé? Tu es pire qu'un pot de colle encore? Oh, je l'ai raté. Sérieusement. Hop, là normalement c'est bon. Et il faudra qu'on... Quoi? Non? Si, il va me dire, il veut dire qu'il se barre. Là normalement, il doit être à la première salle où on avait, où on était allé chercher. En profiter pour récupérer un peu de vie, donc c'est vraiment au tout début du level. Du coup, ce qu'on va faire, et je vais vous montrer une petite technique. Ça, c'est normalement, c'est assez pratique. Ça ne fait pas sortir du donjon, ça fait revenir au tout début. Donc si vous êtes un peu loin du début, toujours super pratique. Ça permet d'éviter de se taper tout le voyage. Quand vous connaissez la destination. Quoi, j'ai pris un dégât? Non merde, je fais la merde là. J'y arrive vraiment pas hein. Ou je vais me faire soigner. Allez! Mon cochon! J'ai envie de dire GG Easy. Je le maîtrise tellement fort. Voilà! La petite dernière. Eh ben pas trop tôt. Et voilà, tu as le grappin. Tu vas voir comment la chaîne s'étire. C'est pas trop tôt. C'est clairement pas trop tôt. Voilà, donc elle s'étire et en fait on peut accrocher vraiment un gros paquet de trucs avec. Du coup c'est vraiment super pratique. C'est vraiment très très pratique. Bon, par contre, faut pas que ça soit des surfaces métalliques. On va aller chercher la grande clé du boss qui nous manque. Puis c'est pratique aussi, ça fait des dégâts. Sur un max de trucs, ça fait des dégâts. On va aller chercher le coffre qui est là, parce que du coup, on peut y accéder. Bon, c'était des rubis, mais voilà quoi. 200 rubis, c'est pas négligeable.
Voilà. Soyez gentils, arrêtez de me péter les couilles. Ensuite, par là, c'est pas hyper utile en fait, non. Je viens de me remarquer. Il faut plutôt que j'aille là-haut. Voilà. On va passer par ici. Pour faire le tour, en fait, on a... Ah merde, c'est vrai que... Hop. Là-haut, il y a aussi des trucs où je peux attraper au grappin, mais je crois que c'est par là que c'est le mieux, non? Non, pas du tout. Parce que c'est pourquoi j'allais là. C'est là-haut dont j'ai besoin d'aller. J'ai un pour le faire n'importe quoi jusque-là. Alors... Il me reste plus beaucoup de coffres à choper. On doit arriver un peu au bout. C'est pas lui. Hop. Ça doit être lui. C'était pas lui. Bah, il doit y rester le dernier coffre. Et celui-là. Où est-ce qu'il peut... Ah ouais, si, je sais, je crois que je sais où il peut être. Alors, le fragment de puissance, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Il faut que je retrouve là où il y a de la flotte. Là, je vais être bloqué. C'est pas là que je dois aller. Je retrouve là où il y a de la flotte. Ça doit être par là. Ouais. Ok, donc cette partie là, si je me souviens bien, on n'avait pas pu la faire, je crois. Ah voilà. Après, le tout ça va être de retrouver la chambre du boss, mais je crois que je sais où elle est. Pour ça, on va retourner au début. Voilà. Donc celui-là, il est assez bordélique. Franchement, le donjon, il commence à devenir un petit peu tordu. Il commence à devenir un peu tordu et assez foutraque. Commence à y en avoir dans tous les sens. Et les moins expérimentés peuvent se perdre. Bon, par contre, moi, j'ai oublié de jouer, en fait. Aïe. Ça devait pas être là. Ça devait plutôt être là. Toc. Ça, c'est vachement pratique. Ok. What? Allez! D'accord. Jamais, hein. Jamais touffe ton œil. Ok, une fois que j'ai compris, c'est pas très compliqué, mais il faut encore faut-il qu'elle ouvre son... Satané Nanaï. D'ailleurs, ça m'a toujours fait rire, mais dans les Zelda, tout le temps, le point faible de l'adversaire, du boss, de tout ce que vous voulez, c'est un œil. Je sais que c'est du coup, c'est hyper visible. En termes de game design, c'est hyper pratique. C'est-à-dire, c'est quand même vachement simple de dire, enfin, que de faire en sorte que l'utilisateur se dise que l'œil est le point faible. C'est pas très compliqué, du coup. Mais en même temps, je trouve que c'est toujours la même chose, du coup. Et jamais tu meurs. Pas trop tôt.
c'est aussi long pour celle-là, ça va être vraiment chiant. Voir si je peux pas essayer de taper deux fois. Ouais, si je peux taper deux fois. Ça va au prix d'un coup, mais je peux taper deux fois. Ah. Bon, c'est chiant. Oh, en plus, je suis invincible au moment où elle meurt. Technique de speedrun, vous pouvez pas comprendre. Bon, du coup, j'ai l'air un peu con. Parce que je suis pas du tout à l'endroit où je voulais. Alors, je suis vraiment pas à l'endroit où je voulais. Est-ce que c'était pas plutôt par là? Il y a une clé ici. Il y a une clé ici. Aïe. Il y a une petite clé. Où est-ce qu'elle va? C'est moi où je commence à galérer un peu. Je commence même à très clairement galérer. Et je ne sais pas pourquoi. On va passer par le... passage, oui. Hein? Parle français, mon cochon. On va passer par là, par ce passage-là, parce que... Quelque chose me dit que ça va peut-être nous aider. On a vu la porte du boss à un moment. Donc bon, j'ai envie de dire, on devrait pouvoir y retourner. Ah! C'était bien ça. Nickel! Ah ah, tu es l'intrus venu réveiller le poisson rêve. Tu vas me servir de déjeuner. Et c'est vrai que celui-là, il est pas hyper simple comme... Alors... Voilà, c'est pas extrêmement compliqué non plus. Il faut arriver à choper ses murènes en fait. Faut arriver à la tirer et à taper dessus. Et comme je fais le double dégâts, normalement ça va aller vite. Le tout c'est de pas se faire taper par... Arrêtez. Par ça. J'ai un peu pris cher pour pas grand chose là. D'accord, faut juste l'esquiver. Je crois. Non? Faut pas faire juste que l'esquiver. Alors, ils ont peut-être changé quelque chose sur le boss. Ce qui m'emmerderait. Merde! J'ai pas l'impression de lui faire des dégâts. Putain, je suis en train de le faire défoncer. C'est peut-être pas ça qu'il faut que je fasse. Merde, faut que je fasse quoi? J'ai vraiment plus de vie. En plus, j'arrive pas à bouger. Zarb, qu'est-ce qui... Quoi que voilà. Hein? J'ai envie de dire quoi? Je colle le quoi-quoi? Parce que je ne comprends point ce qu'il faut que je fasse. La première partie, ok, ça va, j'ai compris. La deuxième partie, par contre, c'est une autre paire de manches. Bon, de toute façon, je peux revenir full vie, c'est pas un souci. C'est même assez facile d'ailleurs avec ça.
Alors, qu'est-ce qu'il faut que je foute? Oui, je sais, je suis un peu réveillé, le poisson rêve. Ça se trouve, faut que je tire des flèches, vu qu'il y avait pas mal de flèches dans le coin. On va commencer par lui bourriner, classiquement. Allez. Ah. Quoi? Eh oh. Pfah. Pas optimum ce que j'ai fait quand même. Quoi? Espèce de tanche. Alors là, normalement, je suis peut-être passé à la phase suivante. On va essayer de vérifier au moment où je pourrais. What? Tu ne connais pas encore cette île, tu es vraiment naïf. Quoi? Pourquoi j'arrivais pas à le tuer avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. What the fuck? Tu as le xylophone marin. Temple, il renferme le secret de l'île. Allez, on va dégager de là. Et du coup, on a le grappin qui nous permet d'aller à vraiment pas mal d'endroits aussi. C'est à peu près comme tous les items du jeu. En fait, il permet vraiment de débloquer beaucoup d'endroits. Tout d'un coup. Faut qu'on aille au temple. C'est une partie qu'on n'a pas encore explosée du coup. Explorée, pas explosée. On n'explose pas des parties. Le temple est en fait dans la partie droite là auquel je peux pas encore y accéder. Enfin, en tout cas, j'ai pas encore découvert. Du coup, je peux pas découvrir. Je peux pas déplacer le curseur sur la carte, quoi. Je vais y arriver. Je ne sais point parler. Aïe. On va passer par là, du coup. Toc. On va passer par là. Vous allez voir. Comme ça, on va un peu préparer le terrain pour le. Merde, j'étais en train de me gratter la tête, du coup j'ai pas pu sauter au-dessus du chemin. Voilà, c'est une partie qu'on n'a pas encore du tout abordée. Le donjon est en fait juste au nord de cette case. Mais pour y accéder. Au sud et au nord se trouvent deux temples. Va d'abord au sud, là où des ruines antiques parlent du poisson rêve. Tu en sauras sûrement plus. Voilà, donc il vient de me le dire. En gros. La partie basse, les temples, enfin en tout cas le temple bas permet d'accéder au temple haut. Et le temple haut est le donjon. Sauf qu'il y a déjà un pré-donjon avec le temple bas. On va juste explorer un petit peu parce qu'il y a 2-3 petits trucs sympas à torche dans le coin si je me souviens bien. Ouais. Là il y a un truc à ouvrir, sauf que c'est une fée si je me souviens bien. Hop. Ouais, c'est une fée. Je vais panser tes blessures et remonter ton énergie. Ferme les yeux. Bon, là ça va. Elle avait pas trop de taf, mais quand on a tous ses cœurs et qu'on en perd la barre, on en perd la masse, c'est plutôt cool. Là, c'est aussi l'arrivée d'un mini-jeu que je peux vous montrer à partir de maintenant. Ouais. Est-ce que je vous le montre maintenant? Ouais, allez, on va faire ça. Je vais plutôt aller voir le mini-jeu avant de faire les temples. Je pense qu'on fera les deux temples dans le prochain épisode. Je vais me TP pour aller faire le mini-jeu. Vous allez voir, c'est plutôt cool. Alors. On se casse. Déjà, on passe par ici. Donc, il me faut un transporteur. Et l'avantage, c'est que celui-là est assez proche de celui de la prairie. Du coup, on va pouvoir décaler assez rapidement. Et on a déjà fait 5 temples. Ce qui est plutôt cool. Donc ouais, c'est comme je vous ai dit au tout début, la saison ne sera, enfin la série en tout cas de vidéos ne sera pas très longue, et en même temps le jeu ne s'y prête pas forcément, en plus je sais pas du tout comment il va être reçu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ça vous plaît, si vous voulez voir plus de jeux rétro sur cette chaîne. D'habitude je fais pas du tout du rétro, mais là pour le coup j'en fais,
parce que c'est un de mes jeux préférés, voilà. Puisque ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Et en même temps, c'est du jeu vidéo, donc voilà, ça sort pas trop des clous. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça pue vraiment la merde ou si c'est bien. Si ça pue vraiment la merde, bah je serais un petit peu déçu, je dois dire. Mais si c'est bien, c'est cool. Tu veux descendre les rapides en radeau ? Renseigne-toi à l'intérieur. Alors, le radeau est un mini-jeu qui est vraiment cool. Une balade en radeau pour 100 rubis. Voilà, ça coûte un peu cher. Il y en a un à l'extérieur. Amuse-toi bien. Voilà, et donc, du coup, on passe sur le radeau. On va pouvoir y aller. Voilà, et l'avantage, c'est que le saut nous permet de rester bloqué. Alors là, il y a deux possibilités. Soit descendre directement par celui-là de cascade, soit par celle-là. Mais généralement, je préfère plutôt prendre... Putain. Donc là, il y a plein de chemins. Voilà, c'est des rapides. Et en gros, on peut essayer un peu de se diriger. Généralement, on peut faire en sorte que on puisse ramener le maximum de rubis. Enfin, on doit pouvoir arriver à ramener 100 rubis à chaque fois. Et en même temps, c'est un mini-jeu qui est idéal pour certains trucs. Voilà. Donc non seulement il y a des secrets dedans, évidemment, mais en plus il y a des zones où vous pourrez récupérer plein de ressources, comme de la poudre, des munitions, des trucs comme ça. Ah merde, hein, j'aurais dû passer vers le haut. En fait, il y a plein de chemins avec des petits secrets différents. J'arrive pas à sortir de ces putains de rapides. Voilà. Voilà, genre comme ici. Hop, j'ai tout récupéré, et en plus j'ai récupéré de la thune, donc on est plutôt pas mal. Donc c'est pour vous dire, on peut vraiment se faire à la masse de thunes. Mais en même temps, il y a des chemins qui sont beaucoup plus difficiles à atteindre que d'autres. Et voilà. Et on arrive ici, qui est en fait... Non, pas ça le bouton. C'est ça le bouton. Qui est en fait là. Donc on arrive au niveau des temples, tout simplement. Et on peut remonter à l'aide du passage qui est là, juste au-dessus. Bon, je me fais juste pourrir la face. Voilà. Donc, du coup, je vais aller voir plutôt la... Je vais aller voir la nana. Donc voilà, c'est un mini-jeu que j'ai beaucoup poncé, parce qu'il y a plusieurs chemins. Il y en a même beaucoup d'ailleurs, des chemins. Il y a des secrets, il y a un accès au temple 6. Une sortie au temple 6, je crois. Donc il y a plein de trucs sympas et que j'ai vraiment beaucoup poncé, parce qu'il est très drôle au final, le mini-jeu. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là cet épisode. Dans le prochain épisode, on fait le temple du sud et le temple du nord, qui est le donjon numéro 6. Et ça sera déjà pas mal. J'espère que cet épisode où on commence un peu plus à galérer au niveau des donjons vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'on avait pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis quant à moi, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce let's play. Allez, salut tout le monde. Portez-vous bien.